Vous avez vu le... Oh, j'ai pas vu, les gars. Il y a un documentaire sur Squeezie, les gars. C'est une dinguerie. En mode c'est The Last Dance. Attends. Documentaire. Squeezie documentaire. En vrai, c'est énervé, hein. Hop. T'as installé Trade. Mais les gars, je vous dis, ça sert à rien d'installer Trade. Là, il y a que. Là, sur l'appli, déjà, il y a que des meubles. Donc, les gars, j'ai pas envie d'être méchant et tout. Mais quand il y a une appli, il y a que des meubles dessus. L'appli, elle est rincée. C'est tout fin. Voilà, je le dis. Frère, c'est une appli. C'est Tinder, le bail. Si je veux installer Tinder, j'installe Tinder. J'ai pas installé une appli juste pour qu'il y ait des raclis qui grattent des likes. On est sur Pinterest ou quoi? Il y a que des photos. J'ai même pas installé l'appli, les gars. De toute façon, dans une semaine, plus personne l'utilise. Les gars, on l'a vu. Bon, les gars, il faut que, à partir de maintenant, faut quelqu'un me filme tous les jours ce que je fais et tout, comme ça on fait un documentaire sur moi, dans 10 ans. Alors, ça fait 10 ans que mon meilleur pote, Théodore Bonnet, réalise mes vidéos YouTube et me filme en off, il décide de vous raconter ce qu'il a vécu dans une série documentaire, merci Internet. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Qui aurait pu croire que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du pays? Mon petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. De quoi, il est autiste? J'espère qu'il va vraiment s'en... Oh les gars! Les gars, ce casque-là, le casque Triton, frère. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life, parce que c'était pas gagné d'avance. Bah les premiers à y avoir cru, c'est vous. Et aujourd'hui, il y a du monde! Mais ça me fume, parce que, les gars, je m'en fous. Mettez une musique motivation derrière ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Mais voyez là, si vous voyez là, vous voyez ça, un guignol qui fait des vidéos dans sa chambre, hein. Je suis sûr, la vie, il y a plein de gens, ils ont mal parlé. Ils disent, regarde ce bouffon au collège, là, il fait des vidéos et tout. Regarde, hahaha. Et maintenant, hein. Maintenant, il sousse, hein. Franklin Saint Opening, oui. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Qui aurait pu croire que cet ado bourré de tics deviendrait le premier youtubeur du pays? Non, tu souffres. Il a un peu peur qu'il va vraiment s'en sortir dans la life, parce que c'était pas gagné d'avance. Bah les premiers à y avoir cru, c'est vous. Et aujourd'hui, il y a du monde. On est à Paris, la Défense Arena, avec plus de 1500 personnes. Lui, c'est la première star de YouTube, tu vois, vraie star. C'est un phénomène. Le gars, il est là, ça déchaîne les foules. Bon, moi, j'aurais détecté son potentiel. Si. Après, les gars, moi, je respecte Squeezie, sa carrière et tout, mais j'ai jamais regardé son contenu, je vous mens pas. En France, c'est genre le James Cameron de YouTube, moi, j'ai pas, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas grandi avec lui. Aujourd'hui, vous êtes plus de 18 millions à le suivre sur YouTube. Et moi, ça fait 10 ans que je réalise ces vidéos. Genre, j'avoue, Cyprien, Norman, je matais toutes leurs vidéos et tout. Bon, jusqu'à un certain point. Il y avait qui que je regardais quand j'étais petit? Cyprien, Norman, Mister V, Asiatomic. Il y avait qui? Le Rire Jaune. Le Blédard, les gars. Il y avait qui? Asiatomic. Comment il s'appelle l'Asiatique, là? L'Asiat, maintenant, il est en mode Thorfinn. Comment il s'appelle? Jigme. Je regardais Jigme aussi. Il y avait le Renoir aussi, Pat Laréal. Le noir de service. Il y avait, comment il s'appelle? Enfin, le noir de service. Il se faisait quand même insulter de nègre dans les vidéos, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Mais ça se trouve, c'est un bon de ouf. Attends. Il y avait aussi, comment il s'appelle? Jérémy Nado. Banger. Hugo tout seul, je regardais aussi. Il y avait qui? Serratmore. Serratmore, l'Hollywood vers mes 17-18 ans. Serratmore, c'était encore plus jeune. Danny le Russe, non, jamais. Enfin, je connaissais ses vidéos de Vine, tout ça, mais je regardais pas. Le groupe avec Junior TV, jamais non plus. Par contre, je regardais ni Parody Bros, je regardais le Whoop, je regardais le groupe où il y avait J-Max, Tonio Life, tout ça. Comment il s'appelait ce groupe? Skills Family, tout ça. Après, il y avait Classic, Studio Bagel, Golden Moustache, tu vois, tu connais. La salle, jamais regardé la salle de ma vie. Jamais regardé une seule vidéo de la salle de ma vie, parce que moi, je jouais pas à GTA. Hugo Posey? Non. Hugo Posey, jamais regardé de ma vie. J'avais envie de mettre des claques dans la tête. J'entendais une voix comme ça, là, de aigu, là. Pour moi, je dis, ouais, c'est qui ce... Bon, voilà, j'étais moins tolérant avant que maintenant, tu vois. Juste avec sa voix, ça me donnait... Voilà, bref, vous avez compris. Seb Lafrite, je regardais aussi, ouais, je regardais Seb Lafrite.
Was freestyle, vite fait. Rien d'autre. Chef Otaku, bien sûr. Évidemment. Donc il y a Théodore Bonnet, c'est mon réalisateur préféré. Dis Lucas, mets ta main. C'est la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, mais on va se planter avec ces gars-là. Pour moi, c'est une classe de lycée qui arrive. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs? Lire, Thierry dormir, baiser, ça marche, non? Et même dire que j'ai live en train de dormir. Du coup, Thierry Ardisson, imagine, je serais là sur le plateau et on me voit moi en slipstream. La police sur Internet n'était pas vraiment compris par tout le monde. C'était un bordel. Ça nous a pas empêché de faire énormément de trucs. Action! Et surtout, à force de tourner ensemble, on est devenus amis. Elle est incroyable. Pendant toutes ces années, je l'ai filmé partout. Tout le temps. Tu coupes cette caméra et tu viens avec toi. Avec un seul but en tête, que vous le connaissiez comme moi je le connais. Vous avez tous ronflé. En vrai, il sort plus de sa chambre que moi, frère. Ouais. Bref, vous êtes plus de 18 millions à avoir croisé la route de Squeezie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il n'a jamais osé vous montrer. Non, Connerieux. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus En vrai, je pense, est-ce que vous voulez que je regarde le documentaire quand il sort sur Squeezie? En vrai, je pense que ça peut être intéressant. La tête d'homme, je pense que ça peut être intéressant. Parce que après, bon, moi, je suis pas trop dans le monde de YouTube, donc je m'y connais pas trop les histoires de prod et tout, mais tout ce qui est stream et tout, je connais v'là les trucs, pour le coup. Je m'y connais vraiment bien. Extraordinaire que je trouve. De toute façon, on verra quand ça sortira. En vrai, moi, j'ai envie de mettre un coup d'œil. Tu te rappelles de moi? Je me rappelle de tout le monde. Oui, je me rappelle de toi. Ça dépend, c'est combien de temps? Bah, je pense que c'est une heure et demie, une heure, hein, je sais pas. Tu vas pas te faire strike?